Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, un nouveau haul Majoli Candle. C'est la première fois que je fais ce genre de haul bougie de la marque Majoli Candle. En fait, je suis allée à la boutique à Châtelet. Je remercie la vendeuse par avance de la patience qu'elle a eue avec moi parce que en fait, j'avais plein de bons de remise. Et donc bah, je me suis dit vas-y, je vais acheter pas mal de choses, tu vois, vu que j'ai des bons de remise. Et elle a dû noter un par un les codes de mes bons de remise. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté à la boutique de chez Majoli Candle. Il y a un concours pour vous, voilà, j'ai pensé à vous quand je suis allée à la boutique. Je me suis dit vas-y, je vais pas repartir sans quelque chose pour vous. Donc le concours sera à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et dans le formulaire, je vous demande ce que vous allez gagner. Et Tuk Tuk, elle va dire bonjour, bonjour ma tuk, comment ça va? T'es une tuket. Donc j'ai acheté beaucoup de choses. Et j'ai aussi reçu une bougie de la part de Majoli Candle gratuitement. Là j'ai rien payé. Et je vais vous la présenter juste maintenant. Ils m'ont envoyé la bougie aux fruits rouges. C'était une des odeurs où je me suis dit c'est bizarre un peu cette odeur fruits rouges, voilà, je suis pas très fan. Et en fait quand je l'ai senti en boutique, bah c'était pas du tout sucré, un peu entêtant et tout. Ça sent très très bon. J'étais vraiment pas fan vraiment de cette odeur, mais au final ça sent super bon. Je l'ai laissé dans son packaging pour vous le montrer, et sinon la bougie est juste à l'intérieur. Donc voilà la bougie, avec toujours le même motif ici et rappelons le packaging. Et à l'intérieur nous avons un bracelet avec des cristaux de chez Swarovski. Et en fait pour celles et ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous devez connaître maintenant, sur ma chaîne je parle que de ça. Donc vous faites fondre la bougie et à partir de, je pense vers là, vous avez le petit bijou dans du papier aluminium exprès pour protéger le bijou. Donc vous avez le bijou, vous avez un petit code avec qui vous donne la valeur de votre bijou. Pour savoir la valeur du bijou, il faut aller sur leur site. Et donc voilà, vous avez des bijoux qui sont d'une valeur minimum de 20-30 euros et qui peut aller jusqu'à très très cher. Cette bougie me fait un peu rappeler, vous savez, l'époque où on partait en vacances et qu'on mangeait une glace aux fruits rouges et tout. Genre c'est exactement la même odeur. Ça me manque d'ailleurs, je suis pas partie en vacances depuis pas mal de temps. Ça fait bien longtemps que je suis pas partie au soleil, à la mer, avec ma famille, etc. Ça fait très longtemps. C'est vrai que cette bougie, elle me rappelle un peu l'odeur des moments en famille où on prenait tous une glace après la plage. Et moi je prenais toujours la glace italienne à la framboise, aux fruits rouges. Et c'était quoi d'autre? Passion, je crois que je prenais ça aussi. Et ça manque vachement. Et en sentant ça, ça me fait penser à ça. Tout comme la monoeil là, elle est où la monoeil? Et là-bas, celle-ci aussi, elle me fait vraiment penser aux vacances quand je me mettais du monoeil avec ma cousine. On s'en mettait partout et à la fin, on espérait être bronzé, être complètement bien bronzé. Au final, on était rouge, on avait un pif rouge et tout. C'est vraiment, ces deux bougies me font vraiment penser à mes petites vacances. Donc voilà, je suis très contente de les avoir reçues. J'aimerais bien partir, vous savez, tout ce qui est un peu paradisiaque et tout, genre les Maldives, les Caraïbes. On fait les vacances en ce moment, mais c'est tellement cher. Oh là là, les prix des séjours, c'est n'importe quoi. Donc bref, j'ai reçu ça de la part de Majoli Candle et j'ai donc acheté dans leur boutique pas mal de bougies en édition limitée. Ça faisait très longtemps que je voulais m'acheter les éditions limitées. Sauf que sur leur site, soit c'était une rupture de stock, soit il n'y avait pas ce que je voulais. Et donc bah, je me suis acheté la bougie Astral, enfin Astro Edition. Elle sent mais tellement bon, c'est la seule bougie où j'adore et le bijou et l'odeur. Genre c'est un truc de fou. Le bijou il est trop trop beau, c'est un collier avec votre signe astrologique dessus. Ça a fait fureur sur leur site, il n'y avait plus le signe astrologique poisson sur leur site. Et j'étais vraiment dégoûtée quand je suis allée en boutique et il restait que Gémeaux, etc. Et je fais vous à la vendeuse, ouais vous avez pas genre le poisson et tout. Mais bah si, on vient de les recevoir, je suis en mode mais... Alléluia, merci beaucoup. Donc j'étais trop contente, je me suis pris cette bougie là à poisson. Et vraiment le packaging est trop trop beau, genre j'aime trop. J'aime beaucoup trop et ça sent juste super bon. C'est vanille et fleur de tiare. C'est genre les deux odeurs qui vont trop bien ensemble, qui sentent super bon. Donc voilà, se présente dans ce petit packaging comme ça. Très très beau. Donc à l'intérieur, comme je vous disais, voilà, vous avez un bijou doré à l'or fin, créé en édition spéciale. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. J'ai pris ensuite, c'est rangé là-bas, celle-ci, c'est l'édition fleur dorée. Je crois que c'est une collaboration avec Elisa, je ne sais plus qui, mais bon, Elisa, je pense que c'est d'être une très belle personne, elle a un très joli prénom, donc sa bougie devait être que excellente. Et elle sent vraiment très très bon. Je n'ai pas encore allumé, mais ça sent le soleil, ça sent le... Je sais pas ce que ça sent, c'est... Ça sent super bon.
Je peux pas vous dire ça de plus, ça sent super bon. De toute façon, je vous mettrai les liens en bas d'infos pour que vous allez checker l'odeur, mais elles sont très très bonnes. Et il y a aussi un collier en or, et celui-ci est très très beau. C'est un petit rond avec des petits, comme un petit soleil si vous voulez. Très joli. Par contre, les éditions limitées, elles sont à 39,90€. C'est pas donné, mais ça vaut le coup. Vous avez un bijou et une bougie qui sont juste super bon. Donc ça, celle-là, elle est trop belle. Regardez-moi ce packaging. Je sais pas si vous voyez ces petites taches et tout là. Ça fait trop beau. J'aime beaucoup trop. Donc voilà, ensuite j'ai pris l'édition limitée où il y a un bracelet à l'intérieur. Le bracelet, je l'ai pas vu, enfin j'ai pas pris pour son bracelet, j'ai vraiment pris pour l'odeur au litchi. Alors ça, c'était vraiment une odeur que je pensais vraiment pas aimer, mais en fait ça sent super bon. Et c'est celle-ci où il y a plusieurs écrits comme ça, il y a more self-love. C'est une édition pour la Saint-Valentin, qui est pour les personnes qui étaient toutes seules à Saint-Valentin, avec des petits mots un peu en rapport avec ça. Donc vraiment c'était une bonne idée, je trouvais ça très très joli. C'est assez simple le packaging, mais ça fait son effet. Et c'est au litchi, ça sent vraiment très 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 bon. Donc c'est aussi 39,90€. Et enfin j'ai gagné ça sur le site de ma jolie candle. Je ne savais pas que j'allais gagner cette bougie là. Et en fait il me contacte, il me fait oui vous avez gagné cette bougie et tout. Je suis en mode quoi? Ah bon? Moi qui la voulais en plus, édition fête des mères là, la bougie figuée ensoleillée. Je sais pas si je vous l'ai montré sur YouTube, je sais plus, bref, mais de toute façon je le remonte. Donc j'ai reçu ça, figuier ensoleillé. Ah je vous l'ai montré sur Instagram, mais pas sur YouTube. Ça sent bon, vraiment ça sent bon, mais je pense pas que ça soit une odeur pour moi. Moi je suis plus odeur sucrée, monoï, vanille, etc. Là c'est un peu plus acidulé, je sais pas comment dire. C'est faut vraiment la sentir, c'est qui tout double. C'est comme l'édition avec Marie avec la citrouille là, c'est kit ou double aussi, ça plaît ou ça plaît pas. Faut vraiment venir le sentir en boutique. En plus ils font de plus en plus de boutiques à Paris, à Bordeaux, etc. Des pop-up stores. Donc n'hésitez pas à les sentir en boutique et à vous noter sur un papier celle que vous aimez. Comme ça quand vous avez des promos, bah, vous pouvez commander. Et moi c'est ce que je fais à chaque fois, je note sur un papier les odeurs que je voudrais avoir parce que ça sent bon. Et les odeurs que je ne veux pas avoir parce que ça sent pas bon. Enfin pour moi tu vois. Donc bah j'ai reçu ça et le packaging est très très beau, c'est violet et tout, c'est très très beau. Et j'aime beaucoup, c'est très épuré, c'est très 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 joli. Et il y a un truc qui m'a perturbée, est-ce que c'est sur toutes les bougies? Ah non non non, c'est pas sur toutes les bougies. En gros sur celle-ci, je crois que c'est spécial à la bougie, le socle est noir et en fait c'est un noir velours. Alors que les autres c'est un socle normal tu vois, que je sais pas si c'est à cause du packaging. Ils ont dû faire ça pour éviter que ça crame le meuble d'en dessous. Et ensuite j'ai acheté énormément de choses. J'ai acheté énormément de bombes de bain. Voilà. Oula, j'en ai acheté beaucoup beaucoup beaucoup. En fait j'ai pris les bombes de bain sans bijoux parce que moi je suis pas très fan des bijoux pour les bombes de bain. De son de base je suis pas très fan de bijoux. J'aime beaucoup leurs produits juste simples à l'unité comme ça, donc j'en ai pris comme ça. C'est 6,90€ la bombe de bain. Et sinon avec les 3 bombes de bain et les bracelets c'est 29,90€. Je faisais le coffret sans bijoux à 21€ au lieu de 29,90€. Donc voilà, je préférais prendre à l'unité. Donc j'ai pris la gamme Pretty Moment. Enfin vous savez l'édition... qui n'est pas limitée en fait, c'est ce qu'elle m'a dit la vendeuse, ça va rester cette édition là. Donc c'est l'édition pour la fête des mères. Donc j'ai pris Tutti Kiwi, celui-ci ils sont très très bons. Il y a le Fluffiness, celui-ci il a l'air super, il doit reprendre le bain tout blanc, ça doit être trop trop beau. Et ensuite j'ai pris le Purple Mango. Donc pour le Purple j'en ai pris 3, j'en ai pris 3 comme ça. J'en ai pris au Fluffiness, j'en ai pris 1, 2, 3, 4... 5, j'en ai pris 5. J'aurais dû en prendre d'autres de Tutti Kiwi parce que ça a l'air trop trop bon ceux-là. Donc j'en ai pris 3 comme ça. Ils sont trop bons. J'aurais dû en prendre plus. Donc j'ai pris ça et en fait j'en ai pris autant. Pourquoi? Parce que c'est ça que je vais vous faire gagner. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément une odeur dans un coffret pour bombe de bain. Pour ça, ceux qui auraient déjà essayé cette bombe de bain là, peut-être que vous avez préféré Tutti Kiwi ou Purple Mango ou Fluffiness, etc. Et ben si vous voulez, vous pouvez choisir vous-même votre paquet. Donc, vous allez en fait gagner 3 bombes de bain au choix. C'est-à-dire que vous pouvez choisir soit 3 comme ça, 3 Fluffiness, ou 2 Fluffiness et une Purple Mango, ou 2 Fluffiness et un Tutti Kiwi, ou 3 Tutti Kiwi, ou 3 Purple Mango. Enfin, vous faites selon votre choix, donc vous allez avoir 3 bombes de bain au choix à gagner. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Mais voilà, en gros, vous aurez 3 bombes de bain à gagner au choix. Il n'y aura qu'une seule gagnante. Je mettrai le Google Form en barre d'infos. Il suffit juste de le remplir, nom, prénom, adresse mail, et me dire ce que vous gagnez. Et voilà.
et le tour est joué, vous envoyez le formulaire et c'est bon. Bougie, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait derrière avec mes bougies, parce que là en fait vous voyez ça, vous vous dites oh c'est nouveau dis donc, bah oui parce qu'en fait il y a eu des travaux chez moi. Donc j'ai rajouté pas mal de choses, donc je vais vous montrer juste les étagères avec ma jolie candle. Donc voilà en fait la première partie de mon mur où j'ai mis des étagères, ma jolie candle parce que je les adore. Donc en fait celle-ci d'habitude je la mets dans mon meuble parce qu'il n'y a plus de place comme vous pouvez le voir. Donc, normalement ça fait comme ça vous savez, ça fait 3 bougies et là j'en ai mis une quatrième pour vous montrer ce que j'avais. Donc j'ai celle au monoï, j'ai celle à la fleur dorée, donc j'ai la pina colada, le sapin d'hiver, la rose gold édition, les fruits rouges qu'on vient de m'envoyer, le tropical jungle, la fleur de coton, l'astro édition, le linge frais. Et ensuite sur le côté, pareil aussi normalement, il n'y a pas celle-ci, il y a juste les 3. J'ai la rose sauvage, l'édition spéciale, voilà celle-ci. La fleur de cerisier, le Virgin Mojito, la figuier ensoleillée, la glace vanille, celle d'Angela Felix, les 3 que j'avais achetées aussi. Et les marshmallows grillés, donc voilà ce que ça donne. C'est quand même pas mal. Hein. Vous pouvez voir que je suis vraiment une fan et une collectionneuse de leurs bougies, j'adore vraiment ce qu'ils font. J'ai même déposé un CV chez eux dans la boutique à Châtelet en tant que vendeuse, d'y chercher une vendeuse 20h et j'ai trop envie de travailler chez eux. Donc bah si y a quelqu'un du siège qui passe par là, qui voit ce message, une responsable RH ou je ne sais quoi, j'aimerais vraiment beaucoup travailler dans leur boutique à Châtelet, n'importe quelle boutique en fait, j'aimerais tellement travailler chez eux parce que je suis vraiment une passionnée de bougies, vous pouvez voir ça, j'adore ce qu'ils font. Et d'ailleurs vous avez mon lien de parrainage, hein. Vous vous inscrivez via mon lien de parrainage et vous avez 5€ de remise immédiate sur votre bougie. C'est toujours mieux qu'un code de 10% parce que 10% ça vous fait grand max 4€. Là vous avez 5€ pour n'importe quelle commande, si vous voulez vous commander des bombes de bain, vous avez 5€, ça vous fait 1,90€ la bombe de bain. Vous avez juste les frais de port à payer, c'est tout. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est toujours en barre d'infos. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, vous abonner à ma chaîne, juste si c'est toujours pas fait. Je vous fais une ancienne bisou avec ces bicherons, juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.